Et salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Légende Arceus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après avoir récupéré Eatran, c'est la quête de Manaphy et de Fionn que je vous propose dans cette mini vidéo hors série. Alors, Fionn et Manaphy, ils ont une mission qui s'appelle la Légende des Mers. Sans cette mission, vous ne pourrez pas attraper Fionn et Manaphy. Alors, pour Fionn et Manaphy, du coup, il vous faut cette mission, et cette mission apparaît à partir du moment où vous avez battu le Seracrawl de Hisui dans l'histoire principale du jeu. Une fois que vous l'avez battu, eh bien cette mission apparaît au tableau des missions secondaires à côté du professeur Lavande. Donc une fois que vous avez battu Seracrawl, vous pouvez directement récupérer ces Pokémon. Alors, cette mission, elle est assez particulière puisque, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une sauvegarde d'un jeu autre que Pokémon Légende Arceus, mais il va falloir résoudre une énigme qui n'est pas forcément très bien expliquée et pas forcément très simple d'accès. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, maintenant que j'ai, tout simplement, toutes les clés en main pour la réussir. Alors, du coup, on va la mettre sur le drapeau, et pour cette mission, il va nous falloir 3 Pokémon spécifiques. Il va nous falloir Mustaboué, Baby Manta et Quillpic. Alors, vous allez me dire, oh, Mustaboué, je l'ai déjà, Baby Manta, bon, c'est un peu plus compliqué, mais Quillpic, comment on l'a? Bon, ben, alors, Quillpic, il suffit de faire évoluer le Quillfish de Hisui, mais la méthode la plus simple, ça reste quand même de l'attraper en ayant fait l'histoire principale, puisque vous êtes obligé de tomber face à un Quillpic baron dans l'aventure principale, donc c'est le plus simple. Pour Baby Manta, on peut tout simplement l'attraper dans l'eau, je vais vous montrer, et Mustaboué, bon, il est dans la première zone du jeu, je pense que tout le monde l'a. Donc, il va falloir échanger nos Pokémon, de telle sorte à ce qu'on ait ces 3 Pokémon-là dans l'équipe de cet ordre. D'abord Mustaboué, Baby Manta ensuite, Quillpic à la fin. Maintenant qu'on a nos 3 Pokémon dans l'équipe, direction la côte Lazuli, et je vais vous montrer comment on peut faire. C'est parti. Je vous conseille quand même de vous téléporter au bivouac de la main de sable, hein, c'est carrément mieux. Et une fois qu'on y est, eh bien, on va aller jusqu'au soir. Voilà. Avec, du coup, bien évidemment, les Pokémon, les 3 Pokémon que je vous ai dit, dans l'ordre, dans notre équipe. Voilà. Et maintenant, on va se diriger vers les 2 arches, et normalement, il va se passer quelque chose. Alors, voyons voir. Voilà. Vous entendez au loin le son d'un rocher qui se déplace, ainsi que des sortes de cris. Ok, donc là on a fait une partie de l'énigme, et maintenant une fois qu'on a fait ça, eh bien on va se diriger vers le rocher là-bas. Donc la grotte se trouve quelque part sur la côte, et donc elle est juste là. Voilà, c'est cette grotte-ci. Voilà, juste là. Creux du Cap. Hop, on y va. Et on entre. Et là, vous allez voir, magnifique, Humbly Bubble. Le voici, le Manaphy. Accompagné de plein de Fionn. Ok. Donc là, on a presque résolu l'énigme. Maintenant, il faut juste le capturer. Alors, le truc, c'est que je sais pas comment on fait à partir de là, parce que j'ai pas voulu me spoiler pour la vidéo. Oh, bordel. Il m'envoie plein de trucs, tiens. Attends. Ah, il faut lui péter la barrière, d'accord, ok. Oh, bordel, attends. Oh, 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 on se calme, les Fionn, là, et les Manaphy. Boule gluante, tiens. Dans la tronche. Est-ce que je peux l'attraper, maintenant? Ah non, il faut que je lui balance un Pokémon, hein. Ok, bon, bah écoutez. C'est parti pour le combat. On va capturer quand même un Fionn au début. Alors, il a assez d'armure. Très bien. Bon, je vous conseille de tous les capturer, hein. Alors, objet. On va lui lancer directement une Hyper Ball. Les Fionn sont au niveau 36. Ça va, c'est pas non plus hyper dur à capturer. Ok, on en a capturé un, déjà. Alors, maintenant, on va passer à Manaphy. Donc, Manaphy, il est où? Il est là. Allez, vas-y, on va le buter. Hop! Dans la tronche. Tiens! Attends, est-ce que si je lui balance, tiens, un truc de boue? Bon, ça lui fait rien du tout, en fait, hein. Ok, oh, 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 on se calme, on se calme. Monsieur Manaphy, on se calme. Alors, attends. Je vais balancer un bon Pokémon, voilà. Mon Quillpic. Et on est parti pour la capture de Manaphy. Alors, il est niveau 50. Oh, purée, il y a les 2 Fionn qui se ramènent, maintenant. Génial. Alors, attends. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut buter les Fionn, d'abord.
Voilà, on va buter les Fionn. Allez, direct toxique. Voilà. Ok, il m'observe attentivement. 6 coups de boule. Ça n'a aucun effet. Très bien. Alors, il a pouvoir lunaire. Manaphy, génial. Je vais essayer de tous les attraper, hein, parce que je sais pas si après, ils réapparaissent ou pas. Donc, c'est parti. Ok, déjà, il y en a un qui est attrapé. Parfait. On va continuer. Alors, un petit direct toxique sur Fionn. Voilà. Je pense que Manaphy, c'est le plus relou de tous, hein, bien évidemment. En même temps, c'est lui qu'on est venu capturer, pas ses clones. Et deuxième Fionn capturé. Ah ben voilà, on va essayer de le capturer comme ça. Hein. Le mieux, c'est quand même d'utiliser des boules de boue. Allez, hop. Ok, super. Bon, le mieux, c'est de s'équiper de boules de boue, de le spammer, et après, vous utilisez vos Pokéballs. Hein. Et voilà, du coup, on l'a capturé. Alors maintenant, il va falloir faire un rapport pour terminer la mission au professeur Lavande. Mais on a récupéré pas mal de Fionn et un Manaphy. Donc du coup, on va faire notre rapport au professeur. Ah, Sandy, tu as réussi à capturer ce mystérieux Pokémon. Quel talent! Apparemment, ce Pokémon s'appelle Manaphy et il parcourt les mers depuis des temps reculés. Hein, comment je le sais? C'est dans la légende des mers, bien sûr. Je me suis procuré ce livre pour avancer dans mes recherches. Je t'en conseille la lecture. Et voilà, on a terminé cette mission magnifique de Fionn et de Manaphy. Alors, du coup, bien évidemment, on va les sortir un peu. Hein. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'ils donnent. Non, ils sont mignons, hein. Hop. Bon, ils sont tous niveau 36. Voilà, niveau 36, niveau 35 et 50. Voilà. Donc, c'est une quête que vous pouvez faire assez rapidement dans le jeu. Hein. Vous n'êtes pas obligé... bien évidemment, d'avoir des Pokémon haut level. Suffit d'avoir des boules de boue, en fait, que vous pouvez récupérer via Ursa King, notamment. Ou sinon, vous pouvez les récupérer par terre, dans la nature. Et donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Pokémon Légende Arceus, sur ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao !